En même temps, le gaming, c'est le point G du gamin. C'est pas pour rien que gaming, c'est l'écriture de gamin avec un J à la fin. Ah merde, ça commence. Bonjour, je suis Don Bunzel et aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote de ma vie quand j'étais gamin. Alors, on va faire vite, car aujourd'hui, j'ai beaucoup de pain sur la planche. Et pourtant, je tourne cette vidéo avec une énorme chiasse et inutile de vous dire qu'aujourd'hui, je suis plus pudique que pudique. Je suis malade et pas trop l'envie de tomber dans les pommes. Et surtout, car j'ai pas envie de vous casser les noix avec une vidéo qui dure 40 minutes. Donc on va se dépêcher. Un jour, j'ai remarqué que j'avais paumé mon ordinateur, avant de comprendre que je m'étais fait carotter. Inutile de vous dire que si je retrouve le gros lard qui a fait ceci, alors je vais lui foutre des patates dans sa poire et qu'il risque lui aussi de tomber dans les pommes, vu à quel point je vais le friter. Pas peur que les poulets viennent m'enfermer pour un crime, moi je veux le réduire en bouillie et lui foutre une bonne pâtée à ce voleur. De toute façon, j'aurai un bon avocat, alors que lui, il n'aura pas le temps de ramener sa fraise. De toute façon, il faut avoir un petit poids dans la cervelle pour être un voleur. Bon allez, je me dépêche, j'ai donc besoin de me racheter un ordinateur portable. Je vais voir l'informaticien à tête de chien, il me propose un ordinateur à tête de manchot empereur, à ne pas confondre avec les pingouins qui sont capables de voler et qu'on peut trouver en France et en Bretagne. Et oui, hein, pour la petite anecdote, les pingouins, ça se trouve en France, en Bretagne, dans l'hémisphère nord, et ça peut voler, hein. C'est pas comme les manchots qu'on trouve dans l'hémisphère sud. Bref, on s'en bat les couilles. Bref, j'achète l'ordinateur. Je rentre chez moi, ou je sors du dehors, hein, ça dépend comment on voit les choses, et je le branche. Enfin non, car je suis pas le genre de type à brancher un ordinateur, je préfère brancher une meuf. Alors on va dire que je l'allume. Enfin non, car je veux pas allumer un ordinateur, je suis pas du genre à allumer un ordinateur, je préfère allumer une meuf. Alors je sais pas ce que je fais, mais je vois son écran changer de couleur. Et j'arrive dans la page d'accueil, et souvent sur les ordinateurs, il y a des vidéos d'accueil pour voir toute la qualité d'image de l'ordinateur. Vous avez parfois des vidéos du ciel, des oiseaux et tout ce blabla. Vous avez ce genre de vidéos pour voir la qualité d'image. Et bien moi, j'avais une vidéo what the fuck. Une vidéo qui n'a rien à voir à la place de cette vidéo-là. Et cette vidéo, je voudrais vous la partager, même si YouTube ne l'accepte pas. Je suis un fou et je m'en fous. Car oui, l'anecdote est en partie vraie. Je ne me suis pas fait voler un ordinateur, mais j'ai dû acheter un ordi. Et quelle a été ma surprise quand j'ai vu que dans l'ordinateur, il y avait une vidéo dont je ne sais pas d'où elle vient. Cette vidéo m'a toujours marqué et elle est excellente. Et j'ai pu la retrouver sur YouTube grâce au nom de la vidéo mise sur mon ordinateur. Et en vrai, je pense juste que l'informaticien avait un petit délire et il avait apprécié cette chanson parce que oui, cette vidéo, en fait, c'est une chanson très créative, très cool. Et je suis fier de l'avoir pu la connaître, cette chanson, de cette manière. Bref, ouvrez vos oreilles et sentez la douce odeur musicale de cette chanson que je vais vous partager. Et cette anecdote, effectivement, elle est vraie. J'ai vraiment acheté un ordinateur et il y avait ça dedans. Va savoir pourquoi. Je me suis fait peur.